Bonjour à tous, nous sommes de retour dans cette magnifique salle en peau de léopard. Alors on avait réduit en pièces le dragon, souvenez-vous, enfin les dragons, ou c'était un dragon, enfin peu importe. Et donc il fallait sortir maintenant par exactement le même chemin de cette salle, de cette magnifique salle, de je sais pas, de vieux mec dégueulasse. Et ça va être une partie de plaisir. Allez. On va s'amuser, vous allez voir. On va s'amuser. Donc oui, on avait réussi, on avait battu le dragon, on avait récupéré cette magnifique armure. Maintenant, on a un knight qui ressemble vraiment à un vrai chevalier et pas simplement à quelqu'un avec juste un casque et une épée. Mais là, un vrai chevalier. C'est vrai que Hype a un casque un peu romain, j'ai envie de dire. Plutôt que chevalier. Bon. Et donc oui, on avait récupéré le joyau des hommes. Maintenant, on devait se retourner. Non, tu tombes pas. On devait s'en retourner pour aller, pour changer d'époque, tout simplement. Oh, first try. First try. Ils sont toujours là à applaudir, hein, et pour rien. Hein. Oui, c'est bon, mais la porte se referme, j'ai compris. Hey, 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 hey. Merci les gens qui sont peints sur les murs. Littéralement. Oh, c'est beau. Hey, 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 hey. Ça, c'est intéressant, surtout qu'on les avait tous. Qu'est-ce que t'as à me dire? À plus tard, chevalier. Peut-être. Peut-être, peut-être pas aussi, on s'en fout. Il est vraiment classe dans cette armure, oh là là. Ça, c'est le hype qu'on aime. Ah, vous voyez, c'est un peu comme si on venait de récupérer la Master Sword ou enfin la tunique verte. On avance vraiment dans l'histoire. Enfin, quelque chose de. Le scénario avance. Et ça, c'est chouette. Les méchants n'ont qu'à bien se tenir. J'ai combien d'argent? Où est-ce qu'on le voit? Ouais, je sais pas, ce que je pourrais m'acheter des carreaux d'arbalète. Des carreaux des carreaux puissants. Nous forgeons pour les bons, nous forgeons pour de bon. Fais ton choix. Pourquoi les carreaux modernes sont moins chers que les normales? Et voilà. J'ai grandement apprécié de faire des affaires. C'est pas comme ça que ça marche, le capitalisme. Espèce de sale communiste. Allez, donnez-moi des flèches rouges. Et ben du pognon aussi, c'est bien aussi. J'ai combien de les flèches là? 15. Oui, il m'en donne 5 par 5. Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est moins cher, mais il y en a moins. Non, bah si, il sait comment arnaquer son. Il sait comment arnaquer le client, le gars. Pas d'inquiétude. Là-dedans, bon, bah, il s'est rien passé, il y a rien. Allez, mais saute, fais pas chier. Là, il y a les fantômes.
Oh non, mais me dis pas qu'il va falloir repasser le pont avec toutes les chauves-souris, souvenez-vous, on est mort. Oh non, je veux pas faire ça. Ah oui, il faut recharger le joyau. Oh oui, on va monter à d'autres dragons. Maintenant, je suis convaincu que tu es noble et bon, Hype. Te voir avec Le cette mec, il a un œil armure au le beurre noir, là, il s'est confirme. pris un coup. Es-tu surpris d'avoir trouvé une armure aux couleurs de Tascan 4? Ce n'est pas un hasard, mais je ne peux t'en dire plus. Il te reste une longue route. Tu as trouvé le joyau des hommes. Il représente les femmes et les hommes avec leurs qualités et leurs défauts. Tu possèdes maintenant le joyau royal, symbole du pouvoir des hommes, et le joyau des hommes, symbole de tout ce qu'ils sont. Bon, monte sur mon dos. Il est temps d'aller charger ton joyau avec l'énergie du ciel. Veux-tu le faire maintenant? Oui, parce que c'est pas comme si j'avais autre chose à foutre. On a déjà exploré tout le magnifique open world de Hype, alors maintenant on fait des quêtes secondaires. Le joyau des hommes demande plus d'énergie que le joyau royal. Tu auras besoin de 50 Mon énergies à Dieu, il en plus faut pour le 10 de charger plus. complètement. Et n'oublie surtout pas que le temps est compté. On a compris. Oh non. Ah ben, toujours on loupe le premier. C'est très passionnant de suivre des machins alignés dans le ciel. Heureusement que le brocoli est là pour nous indiquer la direction. J'ai cru qu'il y en avait plus, je fais, oh non, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, là, si tu te prends le mur, c'est pas bon. On a déjà fait la moitié. Qu'est-ce donc cela? La musique s'accélère, qu'est-ce qui se passe? On va tous crever. Tu as réussi à charger ton joyau. Ah, récupérer ces énergies à Prisma m'a ragaillardi. Ah, ça va. Je pourrais faire des heures en ta compagnie si tu Ah, veux. cette énergie à Mais Prisma. maintenant, soyons prudents. Certains minables dragons n'aiment pas qu'on Oui. viole leur territoire. Si tu préfères. Oui, on va pas se tarder là, on n'a rien d'autre à foutre. Allez les dragons, venez, on va s'amuser. Faut suivre le brocoli. Tiens. Ah, ça me rappelle les batailles épiques dans Star Wars Battlefront 2 dans l'espace. Là, là, les... Surtout quand ils viennent s'écraser contre toi comme des crétins, c'est génial. On est déjà de retour. On a perdu peine, mais ils nous ont enlevé de la vie, c'est qu'on empêche. On fait pas attention comme ça, mais... Hype s'en est pris plein les fesses. Sans mauvais jeu de mots. Sans sous-entendu, rien du tout. Ton vol est remarquable, Hype. Je Pauvre, il a commence plus à dedans. croire que tu as tous les talents. Bon, maintenant je sais que nous nous reverrons. Ne crains rien pour Gogood et pour tes amis les brigands. Je n'interviendrai pas dans leur vie, mais je les préviendrai du danger sans même qu'ils ne s'en aperçoivent. Tu comprendras un jour pourquoi je ne fais pas la même chose pour toi. Au revoir, Hype.
Tu comprendras un jour pourquoi j'ai pas envie de me casser le cul outre mesure, en fait, c'est ton destin, on va dire ça. Ben, parce que bon, il faut que ton destin, voilà. Ta destinée du héros, tu dois passer par plusieurs cycles, là, c'est un peu le monomythe de Joseph Campbell. Est-ce que c'est le héros? Je ne suis pas encore au stade du héros rédempteur, là, je ne suis que... Moi, j'ai accepté le... j'ai accepté l'appel de l'aventure. Ah, tiens, prends ça, tu vas pas me faire chier longtemps. Oh non, mais c'est dégueulasse. Non. Oui, bon, voilà. N'empêche, on s'est fait bousiller le bouclier. Mais au moins, on n'est pas mort comme la dernière fois, comme lamentablement. Ça, c'est vraiment un garde. Ah, mais oui, c'était un garde de Goku, un garde de Rajot. Alors, il est parti. Parce qu'on a... Qu'est-ce qu'il fout, là, lui? Il a récupéré un... Je ne m'habituerai jamais à te voir voler sur un dragon, Hype. Je te présente Belair. Il est... disons qu'il est un peu drôle. Il est con. Il n'est pas dangereux. Il est gentil. Il m'a dit qu'il voulait te voir, alors j'ai... Eh oui, mais nous nous connaissons. Je t'ai vu dans les nuages, et j'ai vu autre chose. Une de mes visions. Un message. Ah. Un jour, les yeux-lumière viendront. On ne peut rien faire. Mais lui le peut. Le chevalier à l'armure perdue. Mais lui le peut. Mais qu'est-ce que j'ai dit là? Tonton. Il est complètement bourré. Ah, le hausse fois. Là, je ne comprends pas trop. Enfin, ah, je vois que tu as l'armure. Je l'ai vue avec ton épée sur une vieille gravure. Sous cette gravure, un texte disait quelles étaient les armes du bien. Dans différents royaumes, ces armes auraient servi à vaincre des êtres mauvais dont les yeux lançaient la lumière. Mais mes découvertes sont minces. Il existerait un autre joyau, le joyau de la vertu. C'est ce joyau que tu devras chercher à l'époque où tu arriveras. C'est tout. Et je suis désolé de n'avoir que ça. Va maintenant. Bon voyage dans le temps, Hype. Reviens me voir si je suis toujours là. Au revoir, Gogo, bon. Maintenant, il faut prendre cette passage. Allez, on emprunte le TARDIS. Geronimo ! Allons-y ! Oh là là. C'est l'automne. Ces champignons sont toujours là, par contre. Good, tu t'es fait encore enlever? T'as encore des problèmes? Y'a plus de livres. Putain, en plus. Oh là là là. Je suis coincé, je peux plus. Non, putain, non. J'espère qu'il ne faut pas refaire les boutons. Il y a toujours le lutrin. Oh non! Oh, fait chier. Va te faire foutre, Gogoud! Ah oui, du coup, j'ai oublié. C'est quoi déjà?
Attends, on est arrivé par où? Oh là là, je suis perdu. Alors on a dit rouge, bleu, vert. Est-ce qu'il a fait la brûler ses livres? Il a mangé. Il a fait une auto-dafé. C'est des nazis maintenant. Après Rajot, les nazis. Tant quel bon jeu vidéo n'a pas de nazis après un temps, c'est sûr. Puis maintenant, le saut très très chiant dans l'escalier. Là-là. Et voilà, c'est raté. Et puis, si tu veux bien avancer. Ouh. Mais non, c'est ce qui se passe. Et là, c'est chiant, c'est parce que tu cours, et là, par contre, tu sautes tranquille. On n'a rien à foutre. Qui c'est? Pourquoi il y a... Qui es-tu? Plus gros. Un drôle de monsieur du Ku Klux Klan derrière le feu. En même temps, c'est normal que le Ku Klux Klan il va brûler quelque chose. Il y a du. En même temps, Goku est un petit peu basané, hein, le Ku Klux Klan. Hein. Il a dû le brûler. Goku des morts. Mais merde. Ça sert à quoi de mettre des tonneaux s'il n'y a quasiment jamais rien dedans? On m'explique. Oh, c'est bien fait, disons, regardez, c'est inventif. C'est inventif, le chêne a donné un gland en hiver. Oh, gogo. Bah dis donc, tu t'es poussé la barbe. La bifi, il fait pas le point, je suis désolé. Hein. Sans le savoir, Rajot a prolongé ma vie en tentant des expériences sur moi. Mais je ne sais pas si c'est une bonne chose, vu l'époque où l'on vit. Bon, qu'est-ce qu'il faut que tu cherches déjà? Ah oui, le joyau de... Ah, ça y est! Le joyau de la vertu. Hein? Je n'ai rien découvert. Je suis inutile maintenant, je suis un vieux sénile. Civil en ce moment. Les jeunes ne respectent plus rien. Ils cassent les vitres des hôpitaux. Aussi poli qu'un pont-levis. C'est l'anarchie, c'est la chiant, lui. Attends, Hype. Hey, oh, Hype, j'oubliais. Un chevalier veut te rencontrer. Il dit être un messager du roi Tascan III. Je n'ai pris aucun risque. Je l'ai enfermé dans ma salle secrète. Il n'avait jamais vu un sort de magie, le pauvre. pardon. Je suis en train de vomir mes trucs. Donc en fait, il t'a pas brûlé. Bah au moins il n'y a plus de chauve-souris. C'est une bonne chose. Oh me fait chier. Oh mais je suis obligé de remonter. Je peux pas faciliter la vie des gens. Non. Je refuse de tomber comme ça.
Au moins, l'ouverture, c'est fait. Est-ce qu'on peut tomber là, comme ça, là? C'est la plus vite. Voilà. Par contre, on est coincé. Non, c'est bon. Oh là là, la caméra. C'est Jean-Michel Caméra. Bah, j'aurais pu faire ça dès le début. Oh! Ah! Enfin! Vous accueillez les femmes d'une drôle de manière ici. C'est donc toi, Hype! Pff, banal comme un vieux plastique. Mais puisque c'est la volonté du roi. Je me présente. Je suis Rave, championne de Tascan 3. Le roi te connaît et souhaite te rencontrer. Il a une mission pour toi. Beaucoup de gens connaissent la légende du chevalier qui voyage dans le temps. Ton histoire est écrite dans bien des almanachs. Le roi veut te voir dans sa forteresse, malgré la guerre civile. Méfie-toi tout de même de ces chevaliers. Puisque cette rencontre doit demeurer secrète, on ne sait jamais. Au revoir, chevalier. Si tu es aussi fort qu'on le dit, nous nous reverrons. Maintenant, tu peux te téléporter et partir super loin de telle sorte que je ne puisse te rattraper. Allez, allons rencontrer ce roi Tascan 3. Putain, il vole. Il faut que je sois très prudent. En fait, je suis en train de faire le crétin. Si on tente vers l'abruti, je pourrais tomber. Même si je ne suis pas tombé. Oh, les ruches sont revenues. Oh là, oui, ça c'est bien. Non, par contre, on va passer de bons moments ensemble. Je l'avais dit que c'est... Ah non, c'est... Allez, monte. Voilà. Toujours là, en fait, ils vieillissent pas. Hein. Ah, par contre, je vais l'avoir comme un bleu. J'ose est-il là? Bon, toi, t'es toujours là. Ah, mais tu te fais pas piquer par les abeilles. T'en fais pas, je vais te débarrasser de ça. Et le 2. Bonjour, Hype. C'est l'automne. Les couleurs de la saison sont belles, mais ce n'est que pour cacher la mort de la nature. C'est triste. Tout est triste. Tu verras, Hype, que même l'homme à la quête noble provoque des choses déplorables. Les autres en sont jaloux. Cet homme fait douter les gens. C'est la bêtise humaine. Oh, c'est trop nul la vie. Tu comprends, moi j'en ai marre. C'est un dragon, Imo. La bêtise humaine. Mais t'étais pas un chevalier tout à l'heure, toi? C'est bien toi? Hype! Je suis Nolin, chef des brigands. Ma mère Caron et mon père Thério m'ont beaucoup parlé de toi. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. C'est pas moi ton frère? J'ai marché ici tous les jours en espérant te rencontrer. Les brigands travaillent pour toi maintenant. Oh. Quand il a appris qui tu étais, l'ancien roi Tascan II a parlé aux brigands d'une mystérieuse cité perdue. Il nous a donné un plan d'accès à cette cité en ajoutant que cela pouvait te servir un jour. Le passage à cette cité se fait par un dolmen. Tous les brigands le cherchent pour toi en ce moment. Ne t'en occupe pas. Ils vont pas être bien loin vu la grandeur de la carte. Dans sa forteresse. J'ai vous cherchez très mal. Hein. Je te préviendrai lorsque nous aurons trouvé le passage. Et n'hésite pas à passer par mon village. Un de mes hommes t'a préparé de nouveaux carreaux pour ton arbalète. Bonne chance. Oh oui, il va me donner 5 carreaux, c'est trop bien. Oh là, je suis gâté. Oh, ça, c'est bien, ça. Elles sont revenues, là, par contre. Laissez-moi tranquille. Foutez-moi la paix.
Foutez-moi la paix. Écrasant une. Ouh, y'en a. Attends, avant, y'a lui, là. Oh non! Oh non, je me suis bloqué! Laissez-moi, putain! Mais, vous êtes hype? Ah bah, quel bonheur de vous rencontrer! Je cherche en ce moment le dolmen qui permet d'aller dans la cité perdue. C'est vrai que je regarde un mur. Peut-être le savez-vous déjà, mais l'armure que vous portez, le roi Tascan II l'avait trouvée dans cette cité. Peu après votre départ, le roi a appris que vous étiez parvenu à récupérer l'armure dans le parc des Braves. Oh, il s'est dit que vous deviez être très spécial. Alors il a secrètement dessiné un plan et l'a donné à Caron, notre ancienne chef. Il était certain que vous aimeriez connaître cette cité. C'était un excellent roi, tout compte fait. Revenez nous voir bientôt. C'était nous approchons bon du dolmen. Je le sens. J'ai le nez pour ça. Oh, la musique. Ah, mais dis donc, ils ont agrandi leur machin. Oh là là. Par contre, c'est toujours aussi vide pour le mobilier. Hein. C'est un honneur pour moi, chevalier Alp. Je suis Anoth, un simple brigand. J'attends ce moment depuis que je suis tout petit. Ah putain, la voix aussi, là, je la connais. Dans leur description. Bon, voici les carreaux que j'ai fabriqués spécialement pour vous. Et il y a peut-être autre chose dans notre village qui pourrait faire votre bonheur. N'hésitez pas à jeter un œil. Oh, dis donc, oh là là, vous avez des tables avec deux plates d'haricots verts. Vous avez l'insigne des brigands, vous devez être hype. Soyez le bienvenu. Adopter votre noble cause a été le salut des brigands, sachez-le. Comme ça, on n'est plus des brigands. C'est la pénurie d'or et de richesses. Le métier de brigand était destiné à disparaître. Soyez prudent dans la forêt. Ça, c'est de la faute à l'ubérisation. Hein. Ça, c'est sûr, il y a Uber brigand, où on pourrait dire. Ah bah bravo. Survivre spectre. Enfant de dragon. Et vous cachiez de l'herbe, hein. On voit que vous êtes toujours un peu. Vous avez pas perdu votre âme de. Vous êtes hype. Vous êtes exactement comme je me l'étais imaginé. Moi, ils sont plus nombreux. Hein. La dernière fois, ils étaient avec deux. La guerre civile, il y a longtemps qu'on s'occupe plus des brigands. C'est une bah, bonne on chose. En a vu quatre. Nous nous consacrons maintenant à chercher l'endroit qu'indique le vieux plan de Tascan 2. Hype, nous sommes très proches de Zatila maintenant. Et il est très distant et songeur depuis quelque temps. J'espère que ce n'est rien de grave. Il est malade, il va mourir. Oh là là, mais regardez-moi ça, c'est beau. La lumière, oh là là. La lumière, c'est aussi du papier peint. Oh là là. Ah, ce village, qu'est-ce qu'il est? Il y a quelque chose là. On fait comment? Oh, regardez! C'est du gameplay émergent, on peut sortir des cadres. Tout ça pour aller chercher une petite herbe. Il y a peut-être autre chose. On ira voir, il y a une porte là. Oh mais ce jeu, voilà.
devait y avoir un... Ah, mais c'est marqué au-dessus. C'est comme le port salut. C'est marqué dessus. Mais lève la tête un peu, hype. Oh, mais t'es pas doué. D'accord, il disparaît. Hop, 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 hop. Alors, flèche, trèfle, grenouille. Flèche, trèfle, grenouille, pâte, champignon. Gui ou papillon. On a marqué ça quelque part parce qu'on va jamais s'en souvenir. Hein, alors, je prends un petit stylo. Flèche. Trèfle. Grenouille. Pâte. Une patoune. Un champignon. Du gui. Du ou. Et un papillon. Una farfara. Un butterfly. Et en allemand, j'ai oublié. Alors, j'ai fait d'allemand pendant... Je ne sais pas combien d'années. Alors, flèche, le trèfle est devant, la grenouille est là, oula, grenouille, la pâte, le champignon, le gui, le hou, le papillon, c'est comme Dora l'exploratrice. Flèche, trèfle, grenouille, pâte. Ah, les champignons, il est là. Ou Guy Papillon. Flèche, trèfle. Oh, quoi? Mais la grenouille. Pâte. Et hop. Oh, de la magie. Alors, on va désactiver le machin, je suppose. Vous maîtrisez désormais la magie Electricus, Magicum, Javelot. Alors, zioto un peu ce qu'on a comme magie. On a... Ouais, alors, on a deux magies de glace. On a presque la magie de foudre. Celle-là doit être plus intéressante. Le feu... On va prendre un peu une de chaque. Allez. Et puis, on va sauvegarder là. Hein. Il y a le pupitre. Et puis, on finira d'explorer la cité des brigands. Une autre fois. Pour votre plus grand plaisir dans Hype et suivre les aventures de Hype et puis dans cette époque de la mort, enfin puisque c'est l'automne, hein, c'est la mort avant l'hiver, époque fertile, hein, époque d'infertilité, hein, donc on remonte, mais voilà, on suit, c'est un mythe, ça conserve les aspects du mythe de que Joseph Campbell, hein, ou Mircea Eliade définissent, hein, désolé de vous embêter avec ce que je suis en train de dire dans la mémoire. Allez, salut, à la prochaine. Et à la prochaine simplement. Allez.